Mesdames et messieurs, le manque de sagesse tue. Le manque de sagesse rend pauvre. Le manque de sagesse vous fait perdre votre position. Le manque de sagesse vous réduit au néant. Tout avait la possibilité de rentrer dans la maison de l'époux avant que l'époux n'arrive. C'est le manque de sagesse qui a empêché au fol d'y rentrer. Le manque de sagesse ne pardonnera pas ceux qui ne sont pas sages. Vous devez savoir que même si nous sommes ensemble dans la mission vers l'air, ceux qui ne seront pas sages vont échouer. Même si nous prenons part aux mêmes enseignements et que nous avons la même lampe, ceux qui ne sont pas sages ne vont pas prospérer. Ceux qui ne sont pas sages peuvent marcher avec ceux qui sont sages. Elles étaient 10 femmes. Elles étaient ensemble. Elles ont même dormi ensemble. Mais à la fin de l'histoire, seuls les sages sont rentrés et les folles sont restées. La question est, pourquoi les folles n'ont pas pris leur vie? Et je vais vous dire, comment fonctionne le cœur de quelqu'un qui n'est pas sage? Les folles, l'huile était là. Les sages ont pris l'huile, elles ont mis dans les vases. Suivez, regardez, elles ont mis dans les vases. Elles ont pris la lampe, puis ensuite le vase d'huile. Elles sont parties avec. Les folles ont dit non. Écoutez, on peut amener la lampe sans prendre de l'huile. Quand vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas prévenant. Quand vous n'êtes pas sage, vous ne pensez pas à demain. Vous me suivez? Quand vous n'êtes pas sage, vous ne pensez pas à demain. Maintenant, suivez. Deuxième chose, quand vous n'êtes pas sage, vous êtes paresseux dans votre esprit. Prendre un vase, c'est difficile pour vous? Attends, prendre un vase, c'est difficile? Les gens qui ne sont pas sages, écoutez, n'aiment pas s'encombrer. Les gens qui ne sont pas sages, ils estiment que ils peuvent vite faire les choses, pas besoin d'eux. Les gens qui ne sont pas sages. Et enfin, suivez. Les gens qui ne sont pas sages ne savent pas lire le temps. Regardez, nos lampes sont en train de s'éteindre. Donc, ils ont mal calculé la quantité qui était à l'intérieur. Les gens qui ne sont pas sages ne calculent pas bien. Les gens qui ne sont pas sages, ils ne savent pas calculer l'heure, ils ne savent pas calculer les jours, ils ne calculent pas bien l'argent. Les gens qui ne sont pas sages ne calculent pas bien. Vous comprenez? Ils sont paresseux à l'intérieur de leur esprit. Ils appellent ça s'encombrer. Ils appellent ça s'encombrer. Mais au fond, ils sont paresseux à l'intérieur de leur esprit. Les gens qui ne sont pas sages ne calculent pas bien. Les autres avaient bien calculé. Même s'il y a l'huile dans la lampe, on ne sait jamais. Il faut avoir en réserve. Je viens de parler maintenant un message à ceux qui sont sages et à ceux qui ne sont pas sages. Et c'est le message de l'année 2023. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Abonnez-vous et ne ratez plus rien. Cet extrait a été réalisé grâce au concours des partenaires VLR Impact TV. Merci, chers partenaires.